Il y avait un rythme, j'ai oublié les termes en breton, mais en gros, c'était quelque chose qui donnait à peu près ça, pour faire la ciselure. Et les termes en breton, ça veut dire je boirai plus un coup, 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 je boirai plus un coup. Mais allez, on ne te croira pas de toute façon. Alors, je vous fais remarquer l'intérêt de la protection, c'est-à-dire que là, ça a un peu éclaté, mais ici, l'éclat s'est arrêté au tracé. Ah oui. Voilà. Ici, donc, je vais vous faire une chanson. T'as dit une chanson. C'est compliqué quand même. Mon père m'a marié à un tailleur de pierre. Et vous, vous répétez alors. Mon père m'a marié à un tailleur de pierre. Le lendemain des noces, m'en vas à la carrière. Mal marié déjà, déjà mal marié, gay, déjà mal marié, déjà, déjà mal marié, gay. Le lendemain des noces, m'en vas à la carrière. Le lendemain des noces, m'en vas à la carrière. Et j'ai trompé mon père dans le jus de la mer. Mal marié déjà, déjà mal marié gay, déjà mal marié déjà, déjà mal marié gay. Vous m'avez fait femme, aujourd'hui faites ma fille. Vous m'avez fait femme, aujourd'hui faites ma fille. De fille je veux faire femme, de femme je fais point fille. Mal marié déjà, déjà mal marié gay, déjà mal marié déjà, déjà mal marié gay. C'est vrai que ça donne du cœur à l'ouvrage. Cette chanson n'est absolument pas bonne pour un tailleur de pierre. Elle déprime tout le monde. Change-nous une autre. Voilà. Une autre. Tu as pour bureau ton chantier et ta broche pour secrétaire. Et ton heure dira demain aux hommes plus qu'un long grimoire. Ton dur labeur, ta pure gloire, l'œuvre de tes habiles mains restera gravé dans les mémoires. Vois ton heure qui te sourit. Allons, allons, la coterie. Viens, redresse-toi, masse en main. Travaille comme on prie, sans haine et sans envie. En parcourant la vie. Yeah! Bravo. On va prendre les gros roules. Il y en a un, il doit y en avoir un deuxième quelque part. Et vous regardez, il est là. Il est là derrière. Voilà. Tiens, tu le mets là. Tu le mets là. Voilà. Et tu vois, ça a tendance à faire ça. Donc, ce qu'on fait, on met toujours une cale de blocage. Là, j'ai un, deux, voilà, ici. Là, je vais arriver à la moitié. Hop, toc. Hop. Et là, je peux retirer ça.
mettre encore un système de roulement comme ça, mais là je me contenterai de du travail à la pince. C'est pas mal, hein? C'est pas mal. Il y a besoin aussi de le redresser. De le redresser comme ça, de le faire reculer un petit poil. On va avoir une sacrée tête de la voir.